séance numéro 3 pour la prise du mort en R+. Et là, comme je suis super honnête avec vous, je viens de passer un bon 15 minutes avec Macao, plutôt sur les CD à la pression, le respect un peu de mon espace, parce que c'est le printemps et monsieur est plein d'hormones. Et là, ça commence à être un petit peu plus désagréable. Alors, on a travaillé ça avant de se mettre plutôt sur le sujet principal, le mort. Donc, c'est très important pour moi que le cheval cède facilement, légèrement, volontairement. Donc là, c'était pas le cas. Donc, on a travaillé là-dessus avant de se mettre. Et la patience, c'est pas le truc de ma carotte. Voilà. Donc, petit récapitulatif rapide. Je tourne la tête comme ça. Très, très bien. Oui, le mort. Donc, ça, il n'y avait aucun problème. C'est plus quand je mettais ma main au niveau de sa tête. Bon, il va sûrement encore avoir quelques petites réactions. Là. Bon, on travaille là-dessus. Bon. En fait, il supporte très bien mon contact. Ça, il n'y a pas de problème. Il adore les câlins. C'est plutôt au niveau d'une demande ici. Good. Il va le prendre super personnel. Il lève la tête. Il me traîne. Il se secoue en colère. Il veut montrer comment il est fort. Fait que là, on a un petit peu arrangé ça tantôt. On a travaillé sur justement céder la pression. Donc, chaque fois qu'il me donnait un micro-centimètre, je félicitais. Voilà. Donc, je refais une dernière fois, puis après, je vais me mettre sur le dossier du mort. Je prends plus de pauses aussi entre mes demandes, parce que je veux vraiment qu'il revienne focus sur OK, qu'est-ce qu'on fait. T'sais, vraiment qu'il m'écoute, parce que sinon, il est comme ah, j'essaye ça. À un moment donné, il va avoir un bonbon quelque part. C'est pas l'attitude que je veux. C'est pour ça que je ne suis pas 100% R+, d'ailleurs. Je trouve très important d'utiliser les deux. Puis mon pourcentage va varier selon le cheval. Avec Macao, je trouve ça assez important d'être un peu plus R- même. Parce que... Ouais. Okay. Alors. Il y a beaucoup de signes d'anxiété, de relaxation. C'est une dure journée. Oh, oui, tu fais pitié. Ouais. Ok. Donc, comme ça, ça va? Oui, good. Vraiment pas un petit peu. Oh. Voilà. Voilà. Et là, descends la tête. Oui. Oui. Donc, il ne monte pas. Ben non, qui ne monte pas. Voilà. On descend. Good. Encore un peu. Good. OK. Alors, le mort, ça dit quoi? Restez avec moi. Voilà. Voilà. Good job. Good. Dès qu'il va essayer de prendre le mort, j'arrête tout. Good. Une petite pause avant. Voilà. Ce que je disais tantôt est un petit peu plus envahissant. Thank you.
Je vais en profiter pour donner mes bonbons bas. Toi, t'es dans une attitude basse. Voilà. Quoi d'intéressant par là? Bon, on essaie une dernière fois? Pas facile, les morts à aiguille. Doucement. Oh la tête. Oh là là. On dirait une jument. Voilà. That's good. Oh là. Aïe, ça a failli être mes doigts, ça. Good. Très bien. Je n'ai pas encore ajusté quand je n'y ai pas mis. Une petite pause. C'est bien ça. Donc, je vais finir sur une petite demande en pression négative, en renforcement négatif, ce que je faisais tantôt. Quand j'applique une pression sur le haut de la nuque pour que ça descende et je l'enlève quand il a répondu. C'est bien. C'est dur sur toi, ça, hein, je sais. Voilà. Ça fait la tête. Bon.